Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Super Mario Galaxy. Et jamais il s'arrêtera de dormir en fait. Puisqu'en fait, je vous explique pourquoi il dort. Parce que vu que je tourne à la suite, le temps en fait que... Voilà, il s'est réveillé. Le temps j'arrête la coupure de l'enregistrement de l'épisode précédent et que je relance le nouvel épisode, et ben il a le temps de s'endormir. Du coup voilà, là bim il saute, tac tac tac, et oui. Donc on est parti. On est parti, cette fois on va retourner du coup dans la fameuse galaxie. Alors j'ai pas farmé les fragments d'étoiles pour cet épisode, parce que je pense pas qu'il y en ait le besoin, étant donné qu'il en veut 600 de souvenirs. Ouais, voilà, et qu'on en a... Il en manque que 100, donc je pense que durant l'épisode, on en aura assez. On va en récupérer assez pour... Il nous en manque quoi? Il nous en manque 120. 120, ça devrait le faire normalement. Donc c'est pour ça que je les ai pas farmés, parce qu'il n'y en a pas l'utilité pour cet épisode. Du coup, on retourne dans la plage Saladier. C'est parti, on commence tout de suite, hein. On est chaud, on est comme ça. On perd pas de temps. Let's go, l'examen de natation. L'examen de natation, donc voilà, c'est le fameux examen que le chef Pinguin nous avait dit. Enfin, je sais même pas s'il s'appelle chef Pinguin, mais voilà, c'est le nom que je lui ai donné et ça lui va très bien. Donc voilà, parce que la dernière fois, rappelez-vous, ils étaient trop distraits pour pouvoir faire l'examen, étant donné qu'il y avait des fragments d'anneaux étoiles dans la mer. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Toi aussi, tu veux participer à l'examen de natation? D'accord. L'examen consiste à ramasser une carapace. Rapporte-moi la carapace dorée qui se trouve dans la mer. Et bah voilà, il y a une carapace. Et la carapace, elle est où? Elle est tout simplement par là-bas, parce qu'on les a vus. En fait, c'est les pingouins, ils font la course pour la carapace. Voilà, on leur a volé, c'est bon, on l'a déjà. Et oui, c'est la fin de cette... Non mais en fait, faut les prendre à revers, en fait. Faut les prendre dans le sens inverse. Parce que si vous essayez de les suivre, vous les rattraperez jamais, étant donné qu'ils vont super vite. Mais si vous les prenez à revers, tout va bien. En 2 minutes, chrono, c'est fait. Même pas 1 minute. Oh, je pensais que tu arriverais pas à la ramener. Tiens, je te donne cette grosse médaille d'or. Et donc voilà. Il nous donne la fameuse première étoile de cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on est comme ça. Au fait, tout cela est très bien, mais es-tu un de mes élèves? Non, pas du tout. Hop, on te la balance sur la tête parce qu'on est comme ça et on prend l'étoile. Voilà, donc c'est fait. On a déjà notre première étoile de cette vidéo. Donc, c'était une étoile très très rapide. Il suffit de savoir comment s'y prendre pour choper la carapace très rapidement. Hop, 29 étoiles, on a bientôt les 30, c'est quand même cool ça. Sauvegarder, non. Et on est parti pour retourner encore une fois dans la plage Saladier. Parce que la plage Saladier, c'est cool. Voilà. Mystère de la grotte ou tourbillon. Ah, et ben on va voir ça, on va voir ce que c'est. Et là, je sais pas si vous... C'est un niveau qui a été repris dans Mario Galaxy 2, c'est le Vortex aux étoiles d'argent, il s'appelle dans Mario Galaxy 2. Et voilà. Enfin, c'est le Vortex qui a été repris, hein. La plage Saladier, elle est pas reprise du tout, il y a juste le Vortex qu'on peut revoir dans Mario Galaxy 2, c'est tout. Hop, on va choper une carapace du coup. Hop, on peut freiner évidemment. Chose que peu de gens savent, qu'on peut freiner avec des carapaces. Et bim, on balance là-dessus. Et maintenant ça s'ouvre et c'est ici qu'on va pouvoir aller dans la grotte au tourbillon du coup. Hop, alors là les chauves-souris sont méchantes. Hein. C'est pas des chauves-souris Minecraft qui nous font rien du tout. Elles sont méchantes là, faut faire gaffe. Hop, on passe ici. Allez, on s'en va avant que les chauves-souris, elles nous tuent. Ce qui serait quand même bête. Et maintenant, on arrive sur le vortex aux étoiles d'argent.
Enfin, ça s'appelle même pas Vortex aux étoiles d'argent dans ce Mario Galaxy, mais bon. C'est pas grave. Et donc, en gros, ce qu'on peut faire ici, chose que très peu de gens savent, hop. Ok, j'ai totalement fail. Bon, c'est pas grave, hein. Normalement, il y a un checkpoint, il me semble. De toute façon, on n'est pas à une vie près. Moi, je veux vous montrer les trucs que je trouve intéressants, donc... autant vous le montrer. Voilà, c'est un raccourci en gros. Vous pouvez passer là directement. Hop. Donc là, on suit le cube. Donc ça va très lentement là. Hein. C'est très très lent. Puisqu'on est au début du jeu, donc c'est pour ça. Hein. Enfin, on est au début. Non, on n'est plus trop au début, mais bon. C'est pour pas que ce soit trop dur qu'ils ont fait ça. Parce que il faut savoir que dans Mario Galaxy 2, le vortex aux étoiles d'argent a une vitesse de psychopathe. Alors ça, ça si c'est pas du BG, mais dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. J'ai bien cru que j'allais mourir. Hein. Si c'est pas du BG ce que je viens de faire. Ah mais là ouais, clairement. Clairement, c'est un des trucs les plus ouf que j'ai fait sur Mario Galaxy. Hein. Alors lui, on va attendre le bon moment pour y aller. Hein. On va pas faire, on va pas refaire le con comme on a fait tout à l'heure là. Hop, voilà, nickel. Aucun problème. Hop, le tombe, on va passer tranquillement. Voilà, et on arrive à la fameuse étoile. Et ben voilà, on a notre deuxième étoile de l'épisode. Donc voilà, c'est une étoile pas très compliquée. Hein. Pas très compliquée. Bon, après, quand on prend les raccourcis, comme je l'ai fait deux fois. Bon, le premier raccourci, je l'ai fait la première fois, mais bon, c'est pas grave. Mais après, le deuxième raccourci, j'ai vraiment fait le fifou et j'ai réussi à m'en sortir. Je sais pas comment, mais j'ai réussi en tout cas. Ah, une comète, une comète. Et bah écoutez, on va se la faire, la comète. Donc c'est la comète de la plage Saladier. Alors on a aussi une étoile secrète dans ce vortex des étoiles d'argent. Je sais plus exactement où elle est, mais bon, on va faire la comète avant. Comète rapide en chemin, donc c'est encore une fois un nouveau type de comète. Le gardien du couloir céleste à toute vitesse. Et ben, en gros, ça, c'est le vortex des étoiles d'argent, le truc qu'on vient de faire. Voilà, mais sauf que cette fois les ennemis vont beaucoup plus vite. Ils vont pas aussi vite que dans Mario Galaxy 2, j'ai l'impression. Mais en même temps, dans Mario Galaxy 2, ce niveau est un des derniers. Donc c'est pour ça qu'il va super vite dans le 2 et pas dans le 1. Puis dans le 2, on peut ralentir la vitesse avec des interrupteurs. Donc bon. Là, on va y aller en loyal parce qu'en vitesse accélérée, le raccourci est quand même bien plus dur à prendre, même si c'est largement faisable. Hein. Je l'ai déjà fait, donc bon. Non, oh, là c'est du bug. Là c'est du bug. On est d'accord que c'est du bug. Attendez, j'ai fait un tourbillon, il a complètement glitché. Enfin bref. Bon, c'est pas grave, hein. Hop. Voilà, bon bah là il a pas glitché. Je sais pas pourquoi il a glitché, hein. Mais voilà, vitesse supérieure, c'est quand même largement moins rapide que sur Mario Galaxy 2. Même si bon, dans Mario Galaxy 2 en fait c'est bien plus rapide, sauf qu'on peut baisser la vitesse avec un interrupteur. Donc au final je dirais que c'est aussi compliqué l'un que l'autre. On va le laisser repasser. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Hop, on s'arrête là, on attend qu'il repasse maintenant. Parce que je refais pas le fifou comme tout à l'heure. Hein. Voilà, et après le tombe, il n'y a aucun problème. Hein. On le passe easy. Donc voilà, c'est ça la comète rapide. C'est juste un accéléré en fait. C'est les ennemis vont plus vite, c'est tout. Et voilà, donc on a une étoile de plus. C'est plutôt bien, là on avance bien sur la plage Saladier. Ouais, il me semble que... Je crois que c'est un Guinflumma,
l'étoile cachée de la plage Saladier. Bon, on va pas aller à la plage Saladier tout de suite, on va faire une autre galaxie un petit peu pour changer. Sauvegarder, non. Même si c'est une galaxie que j'aime pas tellement, on va faire celle-là. Voilà, défi de la bulle. Donc c'est le troisième type de défi, il y a trois types de défis dans le jeu. Défi du surf qu'on a déjà fait, défi de la boule qu'on a déjà fait, et là on a le défi de la bulle. Donc c'est parti, contre vent et marée. Donc voilà, en gros on a des courants d'air, on a des fragments d'anneaux étoiles qu'on va devoir récupérer dans une bulle, parce que voilà, le défi de la bulle, ça paraît logique qu'on soit à l'intérieur d'une bulle. Et voilà. Alors, hey, si tu comptes monter dans cette bulle, tu feras mieux d'écouter moi, le grand panneau d'affichage. Une fois dans la bulle, appuie sur A pour que le curseur, donc le pointeur quoi, souffle de l'air. Utilise ce souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton choix. Ça demande un peu de maîtrise, mais tu devrais t'en sortir. Et voilà, le curseur maintenant, on a un petit truc qui crache de l'air et il va falloir récupérer tout simplement toutes ces fameuses parties de trucs. Je sais plus exactement où c'est le chemin, mais je crois que c'est là. Voilà, on a le premier ici. Hop, alors les hélices nous pètent pas, hein. Elles nous tuent pas. Il y a juste les pics qui nous tuent, je crois. Voilà, ça là, ça nous tue par contre. Donc on va faire gaffe. Hop, on en a 4. Et voilà, parfait. On a tout ce qu'il nous faut. On va faire demi-tour maintenant. Hop là, et ben voilà. Oh, j'ai cru que j'allais me le prendre lui là juste avant la fin. Ça aurait été con. Ok, plein de fragments, ça c'est cool. Hop. Et maintenant, on passe par là. Maintenant, il n'y a plus de fragments à récupérer, hein. C'est juste un chemin. Un chemin à suivre, hop. Comment avoir plein de petits fragments. Voilà. D'ailleurs, on en a besoin des fragments pour le fameux goinfre. What? Ah, ça, je savais pas. Ça, je savais pas que si on restait collé trop longtemps... ah ouais. Non, ça, je savais pas. Donc bon... On peut pas trop dire que c'est moi qui ai mal joué parce que je savais pas. Ça m'était jamais arrivé, ça. Donc bon... Je suis mort pour rien, quoi. Ouais, mieux vaut rien toucher en fait. Faut pas toucher trop longtemps les rebords parce que sinon on meurt. Ok, bon, on va pas en récupérer plus. On va faire gaffe de rien toucher maintenant. Voilà, parfait. Parce que ouais, c'est quand même une mort débile, hein. Ouais, je savais pas du tout. Je savais pas du tout, donc bon. Je suis mort pour rien, quoi. Hop, on passe par là. Donc c'est pas bien dur, hein, si on meurt pas pour rien comme je l'ai fait, parce que je savais pas, tout simplement. Là, hop, une charge au sol, ça nous fait quitter la bulle. Tac, on balance ça. Après, on reprend une bulle. Il y a un chrono, donc faut se dépêcher. Voilà, et on y est. On va pas tenter la vie, écoutez. On va passer en mode safeitude par là. Parce que des vies, on en a beaucoup. Donc je vois pas pourquoi je m'embêterais à en prendre d'autres. Ok, c'est pas grave qu'on se fasse toucher ici parce que c'est la fin. Et on a l'étoile. Donc voilà. C'est parfait. Donc clairement défi de la boule, c'est le défi que j'aime le moins, hein. Il est pas...
Je sais pas, j'aime beaucoup moins le gameplay du défi de la bulle que la boule et le surf. Le surf c'est vraiment sympa, la boule un peu moins sympa que le surf, mais bon, c'est bien quand même. Et la bulle, je vous avoue que j'aime pas trop. Nouveau, ok, il y a une nouvelle histoire, ça c'est cool. On ira, les histoires je pense que c'est un truc que je vais faire en fin d'épisode. Donc voilà. Hop, alors on va le nourrir du coup lui parce qu'on a, ce qu'il faut. Voilà, donc voilà, je vous avais dit, ça servait à rien que je farme hors vidéo. Transformation! Parce qu'on en a eu assez finalement, donc bon. Ça change rien de le faire au début ou à la fin de la vidéo, je vois. Voilà quoi. Et du coup, on est parti pour la troisième galaxie Goinfreluma. Let's go. L'invasion des anguilles géantes. En gros, voilà, il va y avoir des anguilles et on va devoir les tuer tout simplement. Donc voilà, il y a plein d'anguilles sur une petite planète qu'on va devoir tuer. Avec là, cette fois, le papy pingouin. Le papy pingouin. Musique très sympa, encore une fois. Musique de l'eau. Voilà. Bienvenue dans la galaxie. Alors, on va lui parler à lui. Oh, depuis que ces énormes anguilles sont arrivées, on n'arrive plus à prendre les poissons. Ok. Hop. Eh ben, let's go. On prend les carapaces rouges parce que c'est à tête chercheuse, donc ça vise tout seul. En gros, c'est bien plus simple. Genre, elle a pas visé. Bon, alors, faut faire gaffe, il y a des billes sous-marines aussi. On va shooter elle plutôt. Ah ouais, non, finalement je sais pas. Je pensais que ça visait automatiquement hein. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais il y a trois anguilles en tout cas, ça c'est, je le sais. Voilà, toi là, toi on va t'avoir. D'ailleurs il faudrait penser à reprendre de l'air. On va remonter un petit peu. Tac, on reprend de l'air et on replante. Allez hop, toi on va t'avoir. Ah, on l'a loupé. Oh mais non. Hop. Alors où c'est qu'il y en a? Ah, elle. Elle, on va la voir. Ah, j'ai cru que j'allais la louper franchement. Dans les coffres, il n'y a rien d'intéressant aussi. Il n'y a que des vies, des trucs dans le genre. Hein. Hop. Et la dernière anguille, du coup, elle est où? On va remonter un petit coup. Histoire de voir en hauteur où elle est. Ah, elle est là-bas. Allez, on y va. Et voilà, on l'a eu. Et bah c'est parfait. On a tué les trois anguilles et du coup l'étoile apparaît sur l'épave. Hop, allez, on prend une carapace, ça va plus vite. Et direction l'épave qui est je sais pas où. Faudra la trouver. Et on va remonter, on y verra plus clair. What the fuck, je trouve pas l'épave. Ah c'est bon, elle est là. Et bah c'est parfait, on a l'étoile de cette fameuse galaxie Luma. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner plage Saladier. Encore une fois, on va retourner dans la plage Saladier. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire, Harmony? Peut-être qu'elle va nous dire un truc. Non, elle nous dit rien. On va passer par là, c'est plus rapide maintenant. Ça sert plus à rien de passer de l'autre côté. Hop. Je me demande, je suis sûr qu'il y a moyen là. Ok.
Il y a moyen. Du coup, on va monter comme ça, c'est plus rapide. Hein. C'est autant faire comme ça. Hein. Écoutez. Du coup, voilà. On va aller sur cette galaxie, c'est parti. Let's go. Du coup, on va essayer de trouver cette fameuse étoile cachée. Mais il me semble que c'est un Guanflouma. Mystère de la grotte au tourbillon. On va voir ça. Ah, quoique, non. Quoique, je sais peut-être. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais, je viens de m'en rappeler. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Il nous faudra une carapace pour ceci. Donc, on va aller chercher ça sous l'eau. Toi. Voilà, merci. Hop. On remonte. On remonte, j'ai dit yo. Ok. Hop, maintenant on. Et là, tac, on va sauter. Non, raté. Ah, c'est foireux à diriger quand la caméra elle fait de la merde. Ok, bon. Non, je veux remonter, sérieusement, tu rigoles là. Ok. Voilà, et normalement, là-dedans, il y a un truc. Ouais, c'est ça. J'avais raison. Je m'en rappelais, c'est bon, tout va bien. Et l'étoile, du coup, elle est là, voilà. Bon, bah, c'est cool, c'est ça, j'ai trouvé. Là, il va falloir... Ok, Mario, il a fait un truc chelou. Voilà, il va falloir amener lui un cataquac. Il me semble que ça s'appelle comme ça. J'espère que je dis pas de la merde. Non, non, ne tombe pas dans l'eau. Tombe pas dans l'eau. Non, mais blaireau, va. Putain. Oh là là. Bon, allez, viens là. Et voilà, maintenant du coup on a récup un truc, un nouveau power-up de ce jeu, la fleur de glace. Pom 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 pom. Ah là là, très très sympa la musique de cette fleur de glace. Bim, on passe par là. Hop, 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 hop. Et il faut se dépêcher évidemment parce que sinon on n'a pas le temps de monter. Hop, on reprend une fleur de glace et cette fois il va falloir amener le cataquac ici, vers l'étoile. Putain mais il est con ce cataquac. Ah mais qui est con? Qui est con, sérieux? Qui est con? Bon, on va devoir attendre une nouvelle fleur. On fait n'importe quoi en attendant, voilà, hop. Ok. On en a une nouvelle. Allez, viens là mon gars. Non mais il est con. Vas-y, viens me shooter. Ok, c'est parfait. Et bah écoutez, une étoile de plus. Voilà, on a cette fameuse étoile secrète de la plage Saladier. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, du coup, bah je pense qu'on va s'attaquer peut-être pas au nouveau niveau. On va peut-être faire le niveau entre les deux. Là, il y a un petit niveau il y a un petit niveau sympathique à faire. On va peut-être pas attaquer le gros niveau, on va peut-être faire le petit là qu'il y a là. Parce que, ouais, on va faire île flottante. C'est parti. D'ailleurs, il y a deux étoiles dans île flottante, hein. Il y a, ouais, deux étoiles à récupérer. Donc voilà. C'est parti, la forteresse flottante. Donc voilà, je pense qu'on va faire les deux étoiles de l'île flottante. Et puis comme ça, ce sera plutôt pas mal. Ça devrait pas prendre trop de temps normalement. Donc bon. Avec musique épique encore une fois.
Allez, on descend sous l'eau pour la première étoile qui est l'étoile cachée. Hop, il va falloir trouver... non, il va falloir attirer une balle sous-marine, là, une bilboule. Et faire en sorte qu'elle pète ce truc. Vas-y, là, ça serait bien qu'il y ait une bilboule qui sorte de là. Vas-y, casse-moi ça. Ok, parfait. Du coup, voilà, ça a ouvert ça. C'est tellement pas maniable sous l'eau. Ok, parfait. Du coup, on arrive sous l'île flottante. Eh ouais, sous l'île flottante. C'est genre en mode abusé. Hop, il faut surtout pas retomber. Parce que si vous tombez dans l'eau, vous retournez dans l'eau. Vous passez à travers quoi. Vous avez tout le chemin à vous retaper. Faire attention à toutes les b-balls. En attirer une seule. Et celle que vous attirez, bim, elle pète ce truc. Et voilà, vous avez une étoile. Sauf que cette étoile, eh ben, elle est verte. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Rappelez-vous, dans un épisode, on a vu un anneau étoile sur l'astronef qui est vert, mais qu'on ne peut pas utiliser. Et ben, pour qu'on puisse l'utiliser, ce fameux anneau étoile, il faut ramener 3 étoiles vertes. Et ça, c'est la première. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu as ramené une super étoile verte. Les super étoiles vertes possèdent des pouvoirs particuliers. Voilà, donc c'est ce qu'il nous dit. Pour en savoir plus sur les étoiles vertes, demande des explications au Luma Vert. En gros, voilà, il faut ramener 3 étoiles vertes et après ce fameux anneau étoile va se libérer. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment étant donné qu'on n'en a qu'un. On va aller se faire la deuxième étoile de l'île flottante et après on s'arrêtera là. Pour cet épisode. Hop. Ok, j'ai raté. Ah, je vais pas réussir à le faire ce truc. Ok, bon, j'y arrive plus. Enfin, j'y arrive pas. On va retenter une dernière fois. Ok, ben voilà. Mais pourquoi il voulait pas faire de roue? Enfin bref. Voilà, c'est parfait. Du coup, on va faire la fameuse étoile. Étoile, et oui. Hop, île flottante. Donc, c'est une des rares galaxies où il y a seulement 2 étoiles. Où il y a une étoile classique de la galaxie. C'est une petite galaxie. Donc, il y a une étoile classique et une étoile cachée. C'est une des très rares galaxies à être comme ça. Donc, la forteresse flottante, c'est parti. Donc j'ai passé le générique parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Excusez-moi, je viens d'avoir un pseudo hockey, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'était pas vraiment le hockey, mais bon. Hop, et encore une fois, il faut aller sous l'eau et attirer une bilboule, mais pas au même endroit. Il va falloir l'attirer celle-là. Celle-là, il faut l'attirer. Faut l'attirer là en fait. Sauf que bon, faut qu'il y ait une b-ball qui vienne quoi. Allez, viens là mon pote, explose moi ça. Ok, parfait. Du coup ça libère l'île et bim, tout le truc remonte. Et maintenant on va pouvoir monter en haut de cette île flottante et du coup terminer ce niveau. Parce que si vous débloquez pas ça, eh ben on peut pas monter. Tout simplement. Ok, pourquoi je fais ça? Tac. Hop. Là on fait du wall jump. Tac. Ça on esquive. Wall jump, hop. Alors là on est un nouveau type de poule basse. Ceux-là ils sont plus rapides je crois. Et ils tirent plus loin peut-être. Je sais pas, mais en tout cas c'est des poules bas aussi. Non mais lol.
Enfin non, c'est surtout qu'il court, c'est ça la principale différence. Hop, on va attendre que le tombe il... Parce que les tombes ça nous one shot hein, si vous le savez pas. Là on fait gaffe de pas se faire avoir par ça, parce que c'est con de tout recommencer pour ça sinon. Alors là il faut activer ça. Hop. Ça nous met un Begoman. Un Begoman où on peut sauter sur sa tête et il fait trampoline. Voilà. Mais je vais vous montrer un truc. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Ah ok, ici ça passe pas. C'est là, voilà. En gros, ce Begoman ne sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de l'activer pour monter. Voilà, je vous ai montré qu'il fallait prendre le Begoman. Mais aussi que bah, finalement ce Begoman on n'en a pas besoin. Et du coup hop, on va essayer de récupérer tous ces petits fragments. C'est peut-être un gros fail. Hop. On va aller par là. Hop, on redescend parce qu'il y en a deux de tous les côtés. Olé, j'ai failli me faire avoir. Ah, on peut pas faire de wall jump sur ces trucs, c'est chiant. Non, mais c'est sérieux là. Bon, écoutez, on va utiliser le Begoman cette fois. Parce que voilà. Non, 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 pas des sauts. Mais c'est chiant parce que des fois il fait des wall, des sauts, mais de travers. Enfin bref. Ok, donc là on a ce truc pour en récupérer un ici. Où c'est qu'il y en a? On a aussi. Alors là je vous avoue que je sais pas où ils sont. Je les vois pas. Ah, il y en a un là. Non mais... Ah, et il y en a un là. Ah ouais, ah ouais. Ça c'est pas con parce que je l'avais pas vu. Celui-là. Ah, j'ai voulu monter en haut grâce aux tombes. Mais what? C'était quoi ce glitch? Ok, c'est bon, ça passe. Hop là, et bah voilà. On les a enfin tous récupérés. Maintenant on va pouvoir monter. Mais tu rigoles là. Non mais non. Le mec il fait un saut en longueur comme ça là. Hop, parfait. Hop. Ok, 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 on meurt pas, on meurt pas, on meurt pas. Safeitude, pièce. Et voilà, et là c'est une Pokéball qui s'ouvre. Hommage Pokémon. Je sais même pas si c'est fait exprès en plus hein. Ah là là. Et on va du coup choper cette étoile qu'on a mis Non mais tu rigoles Mario là. Voilà, qu'on a mis beaucoup de temps à prendre. Du coup la bibliothèque, on va pas y aller dans cet épisode parce que l'épisode est déjà assez long comme ça. On va s'arrêter là. On ira lire l'histoire la prochaine fois. Donc voilà. On s'arrête là pour cet épisode. On a quand même récupéré masse d'étoiles dans cet épisode hein. Sauvegarder. Non,
Et du coup, on va s'arrêter là. En tout cas, pensez à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Puis ça aide au développement de la chaîne. Et j'aimerais bien que la chaîne progresse mieux. Ça serait bien. Mais voilà, ce serait bien, mais c'est vous qui peuvent le permettre. Et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de soit Mario Galaxy ou autre chose. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.